Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Play de Borderlands 2. On se retrouve donc pour ce 10e épisode en compagnie de Warfarensis et de Clément1325. Alors c'est parti, continuez. On s'était quitté la dernière fois sur la quête... quête d'Aragorn. Quête d'Aragorn. La quête où il fallait tuer des connards avec les fusils e-tech. Ouais. Ah oui, et que ça avait bugué ou je sais. Non, mais en fait, il y avait plus d'ennemis. Voilà. Du coup. Bon, du coup, on a fait offline, on l'a fini, on a tué deux mecs. Les sans-pitié ont ravagé cet endroit après que Roland les ait virés de Sanctuary. Tu pourras peut-être rétablir l'alimentation. C'est gentil de nous avoir déployé un véhicule. Et on va où en fait? Là-bas. Oh, tu fais comme quoi, le rat qui s'est explosé sur le... sur le pare-brise. Bien, ouais. On dirait que t'as tout ce qu'il faut pour réparer cette pompe à vapeur. Branche-moi ces bitonios, et le tableau des primes sera aussi remonté à bloc qu'un athlète olympique dopé dont les parents ont des attentes irréalistes. Allez, travaillez. Je vous couvre. Tu ne couvres rien du tout. Tu te couvres toi, je suis sûr. Cover me. Heureusement qu'il y en a un qui fait tout le boulot. Non, regarde, je fais des succès. Buter des skags. Steven, active là. C'est fait. Au rapport. Faut aller au rapport. Allez, le tableau des primes devrait être rechargé maintenant. Active là et tu devrais avoir accès à un tas de nouveaux boulots. Ah merde, faut aller là en fait. Secoue-toi les puces. Et voilà. Heureusement que j'étais là. Yeah! Apparence assassin. Hey toi! Les sans-pitié ont mutilé mon dernier facteur Dino! Hey, y'a un truc là. Assez vite. Ouh! Quand tu seras ok pour effectuer la livraison, prends le paquet! Vas-y, ramasse le paquet. Merde, faut livrer le paquet! Qui c'est qui me conduit? Non, on s'en fout. Allez, go, go, go. Putain, Mika, tu m'as déstabilisé. Putain, je conduis comme une merde. Je me casse. Maraudeur de merde. Ah, oh, je suis crevé! Ah, c'est bon. Alors, donc, je suis là pour faire les quêtes, hein, parce que... Faire les quêtes, tu fais rien du tout, toi. Si, c'est moi qui ai fait le paquet. Bah, il y en a d'autres. Bah, oui, mais. Faut les faire. Allez, plus que deux boîtes aux lettres. Ah non, trois. En fait, faut foutre les trucs directement dans les boîtes aux lettres. Ouais. Tu t'en sors? Ouais, c'est bon. Je peux pas passer par là. Hein. Non, mais vous ramassez aucune munition et je suis à court, j'ai rien du tout. Bah, si, on peut le faire d'habitude, c'est toi celui qui ramasse toutes les munitions. Insta santé! Tiens, on a plus beaucoup de temps. Et il rapporte même pas d'XP ces baltringues. Hein. Alors là, il paraît que... Steven, tu vas au bout, moi je vais à droite. Ouais, je suis en train, c'est bon. 51. Putain, c'est en haut. 90. Je l'ai eu. Et on est parti. Et y en a une autre au début, on l'a oublié. Non, c'est qu'elle était au-dessus. On pouvait pas l'atteindre. Allez, rush tactique. Ah, on regagne du temps à chaque fois qu'on a un truc. Ouais, heureusement, parce que sinon... Hein. Moi, je fais le plein en munitions. Tiens, Steve. Ouais, mais je la trouve pas. Si, elle est là-bas devant. C'est bon, je l'ai. Est-ce que je voulais voir? Malheureusement, je l'ai. Putain, c'était serré. Mais c'est pour vous? Vous avez juste scotché mes jambes, c'est pas ton sauteur. Il est en pleine forme. J'ai posté tes indemnités de licenciement. J'arrive. Ça m'intéresse. Au rapport. Ok, le mec sait pas comment dire, il y a une tour au milieu, il se la prend. T'es bloqué? Ouais. Hihi.
On s'est bien fait douiller la gueule. Vite, pognon, 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 pognon. Ça ou ça? Ça. Putain, ça nous rapporte que dalle en XP. Eh mais ça me refait tout le temps ce bug là de la souris, c'est trop chiant. Pourquoi elle marche? Ça d'avoir une souris de merde. Elle coûte plus cher que la tienne. Ouais mais la mienne elle marche. Comme quoi le prix ça fait pas tout. Non mais genre faudrait que je la débranche ou je la branche parce que... Parce que tout à l'heure quand on t'a dit de le faire tu l'as pas fait. Non. Bon vous foutez quoi? Je sais pas exactement. Bah on t'attend. Mais moi j'ai déjà rendu la quête et tout. Ah bah c'est bon alors. Normalement on l'a tous. Attends t'as un skag là-bas. Fais gaffe, il est bien corrosif brutal. Il est bien tanky celui-là. Il balance hein. Il t'a démonté. Évidemment. J'ai foncé dessus, direct dans le jet de vomi. J'aurais pas pu survivre de toute façon. Je vais leur tout ce que j'ai. Oh putain, ça allume cher ça. Je te soigne. Putain, on va pas se gratter le nez et conduire en même temps, ça c'est un peu chiant. Ah oui, ça met quelques dégâts. Tu vas gratter le nez avec les pieds. Attends, laisse-le moi. Voilà. T'avais quoi du coup? J'ai même pas regardé. Ah et on a gagné une quête. Ah ouais. Grenade ou sniper? Ah non c'est même pas sniper. Hein. Sniper. Ou bah, mais avec cas, de la merde. Rien. Ça coûte pas ouais, cher. On va prendre ça. Ouais. Alors. Bon on fait la quête ou bien? Oh y en a un encore skag brutal là. Oui, j'ai gagné une throwing grenade. Ah, j'ai eu des apparences, moi. Ouais, c'est quand on a eu activé le panneau des primes. Une apparence et une apparence de véhicule, non? Non, ouais, deux apparences pour moi. Bon, allez, go. Faudrait peut-être qu'on fasse des quêtes un jour. Bah, moi, je vous attends depuis tout à l'heure. Bah, tu nous attends et tu viens pas nous chercher. Bah, non, vous êtes à l'autre bout de la map. Ou t'as pas qu'à passer non, une zone. Dirait. Continue de rouler et donne un coup de klaxon. Ce sera peut-être pas si dur après tout. Klaxonne devant la porte. W pour klaxonner. Ouais, bon, je le savais. J'ouvre la porte. Oui, tu le savais parce que ça s'est écrit sur l'écran à l'instant. Ah ouais. Attendez, abruti. C'est pas une de nos bagnoles. Ils sont là pour l'otage. Fumez. Impossible que tu rentres comme ça. Et sans pitié, laisse rentrer que les bagnoles qui ressemblent aux leurs. Va voir ma sœur dans le Dust. Elle pourra te mettre sur un bon coup. Oh putain. Non. Ellie vit en plein territoire hors la loi. Mais attention, amigo. Vraiment. Je vais mourir. Allez, ah, voilà, on arrive. Allez, go. C'était sans compter sur ma super puissance. Oh putain! Non! Tu disais? Ah ouais. Je disais, c'est plus simple. Putain, non, passez pas devant! On avait pas empêché de viser, mais on est bon. Venez vite, monsieur. Ah, t'es toujours pas. Non, tu l'as tué! Non, Steven l'a tué. Oui, bah je m'en fous de qui l'a tué. Putain, yeah, bitches! Aucun ah petit plaît, les mecs, hein! Ah, mais t'es mort! Ça va pour le nombre de fois que tu m'as laissé crever. Qu'il est mort. Bon, bah faut s'infiltrer. Non. Bon, on se casse. Faut qu'on aille là. Tu montes avec Mika? Bah, de toute façon, on va quitter les véhicules là. Donc. C'est pas parce qu'on quitte la zone qu'on quitte les véhicules. Ah ouais? Ouais. Vas-y, c'est bon. Non. Comme j'ai défoncé Clément. The Dust. Mais c'est chiant que la touche pour faire action ce soit la même touche pour monter dans le véhicule. Ouais. Du coup, alors, ça me fait descendre à chaque fois. Non. T'as plus de signal écho pendant des Moi, quand je change de zone avec le véhicule, je reste dans le véhicule. Oui, dans le 1, oui. Dans celui-là, c'est mal foutu. Non. Moi, pareil, tout à l'heure. Ah, il y a un hélico.
Allez, on l'a eu. Te rêve pas, toi. Bon, on va peut-être faire la mission. Allez. On va aller voir Ellie. C'est par là. C'est la grosse. J'ai buté ton gros cul il y a longtemps. Pardon, tu disais. Oh putain. Parle un peu plus fort. Ah, genre. Les câlins, le meurtre. C'était génial. Bon, les mecs, je vous laisse vous dévouer. J'aurais bien mangé un morceau. Et je veux bien donut. T'es déjà là, toi? Je vais te manger tout cru. On va la buter. On peut pas la buter. Les enculés. Ah, elle est dans le truc. Les mecs, vous avez un coup, je crois. Allez. Non, elle est lesbienne. C'est toi qui as un coup, Mika. J'en ai un juste là, si tu... J'ai explosé les conducteurs dedans. Désolé. Bon, j'ai une case standard dans l'atelier et la plupart des pièces qu'il faut. On va la maquiller avec des conneries des bandits. Points de sang, si crâne, dis, ce genre. Tu pourras en récupérer sur leur caisse. J'ai la rage, mec. Faut que tu fasses péter. C'est qui qui a dit j'ai la rage, mec? C'est celui à qui je viens de parler. Je te traite de tous les noms. Après, c'est encore plus marrant de les buter. Fais gaffe à toi, hein, chouchou. C'est qui elle a appelé chouchou? Alors comme ça, tu t'entends bien avec ma sœur, hein? Non, non. Super, super. Bien sûr, si je te prends à te foutre de sa gueule, je t'attache à un distributeur automatique et je fous le feu. Mais c'est super, hein, que le courant passe entre vous. C'est chouette, hein. Vraiment, vraiment. Vous vous foutez pas de sa gueule, hein? Absolument pas. Enfin, vous vous êtes foutu de sa gueule, les gars? Moi, non. Station autolock refonctionne maintenant. Alors ramène ton derche à mon garage. Derche. Dégueulasse. Infiltrer le camp des hélicos. Oh, c'est ici, bande de clampins. Non. Tiens, j'ai trop d'armes sur moi, ce chier là. T'es où, Steve? Ah, je suis à côté. Vous avez fouillé un peu? Bah, je pense que oui. Ouais, j'ai ramassé plein de coffres. Comment t'as fait, toi, pour. C'est plus espace pour verrouiller. Il t'a dit de garder les bras en contact. Oh, les balles fringues. Mickey va se faire défoncer. Meurs le véhicule. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. T'es... Oh, les salauds. T'es trop un cow-boy. Fils de pute. Et chope du carburant. Il y a tout plein. Non, laisse-le-moi, laisse-le-moi, laisse-le-moi. Vas-y. C'est bon. Et une pièce de moins. Bon, bah, Mika, t'as plus de véhicule non plus? Si, je suis en plein dedans, moi, je suis dans la base avec mon véhicule. Je viens juste de finir. T'es mort? Non. Manque plus que les pièces détachées de bandits. Alors pourquoi tu t'es barré? Ben non, je suis dans la base, moi, je suis en train de les défoncer. Oui, je pensais que tu parlais de notre base à nous. Nous, on est en plein milieu du champ. Notre véhicule s'est fait défoncer, mais on a sauté à temps. Ouais, bah moi aussi j'ai sauté. Ah, il y a des véhicules là, Clemcio. Ah ouais. Non, ça sert à rien, faut juste les défoncer là. Ah, mais bon, ça va plus vite de défoncer en véhicule. Non, parce que tu peux pas rouler. Oh putain, mais comme je suis mauvais. Nous on passe partout. Éloignez-vous ou je vous explose. Allez, go. En fait, faut défoncer des véhicules, si j'ai bien compris. Ouais. Abattre les pilotes d'hélico. Ils sont où? Bon, déjà, il faut trouver... Ah, en haut, il y en a. En dessous, ouais, j'ai eu.
Ok, j'y suis mort et j'ai fait un second souffle en même temps. Ah, on a pris de l'iridium. Ouais, y'a un mec qui l'a lâché en chemin. Ah, allez, roule, bagnole de merde! On est bloqué, t'es sérieux? Y'a des ennemis de partout. Ah non, c'est bon, c'est débloqué. Je sais pas où vous êtes, les mecs, mais. Juste à côté du camp. Tu regardes sur ta minimap. Alors, c'est moi qui dois pas être au bon endroit, mais. C'est le bordel. Ah, faut récupérer des bidons et là, des. Là, la caravane, faut pas la tirer dessus. Escorte de caravane. Ah putain, on est mort. J'ai plus de PV. Oh, je sais pourquoi il faut. Continue. Prends pas le temps de réfléchir. Tu réfléchis, t'es mort. Ta gueule. Il faut essayer de rattraper la caravane. Il y avait un coffre dessus. Putain, y'a des mecs derrière. Oh les chiens. Me butez pas, me butez pas. Mitraillez. Je suis mort dans 3, 2, 1. Non. Oh, je t'ai pas sauvé, putain. Vas-y, pète la caravane. Ah, je vous vois, je crois. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Ah oui, je te vois. Bon bah c'est bien, vous les occupez pendant que je fais la mission. Fais gaffe, y'en a un autre qui arrive. Oh putain. Ah sauf que ça c'est plutôt bien. Hein. Bute les mecs à l'arrière. Ouais. Pitié, mais en général, j'aime pas le laisser se faire torturer au-delà du raisonnable. Oh putain. Bon, il Bagdad là. Bon, bah on a récupéré les pièces de véhicule. Ok, mais moi je m'occupe faute de missile. Là. Putain, y'en a, y'a un hélico. Ah, mais comment tu veux qu'on le dessoude? Bah, en tout cas, il m'a défoncé. Quoi. Parce que là, on n'a pas d'armes. Il vous faudrait un super bazooka. Y'a m'aider, bordel. Ouais, 12 secondes. 30 heures. Je vous récupère des munitions. Putain, il t'a défoncé. Oui. Arrêtez-moi. 524, putain. T'as perdu 524 pour respawn. Bah oui. Putain, t'as de la maille en fait. Bah non. Nous on gagne, on perd plus de 600 donc si on meurt. Ah je sais pas, ça fait un moment que je suis pas mort donc. Ah ça va, t'as pas. Mais t'as combien Steven en tout? J'ai 6000 je crois. Ah ouais bah je vais perdre à peu près autant que toi si je crève. Sors de derrière ton cactus, enculé. Ok c'est plutôt énervé. Je vais essayer de venir t'aider. Je me casse. Putain, et toutes mes armes elles sont vides donc il faut que je recharge avant de tirer sur les méchants. Et merde. Ah ça va beaucoup dire en fait les hélicos. Non les hélicos ils sont faciles à buter. Attention combien je vais perdre, pas beaucoup, pitié, 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 pitié. Vous revoilà. Allez, 595. Mais je dois avoir un truc spécial hein, parce que j'ai presque 8000. Donc il y a forcément un truc qui est cheaté. Coucou Warfare. On va tous crever. Alors, on va récupérer les deux clowns. Désolé, j'ai qu'un véhicule. J'arrive. Bah allez finir la quête. Allez au point le plus loin et je vais au point à côté là. Comment on les défonce? J'avoue. Moi je vais sortir en bazooka, vous allez voir. Comment on va crever surtout? Ah mais c'est quand tu lui fonces dedans que ça met une masse de dégâts.
c'est pas grave, il y a un autolog juste en bas de la pente. Il y en a un autre qui fonce sur nous. Ah bon Dieu, il fonce droit sur nous. Tu le veux où toi l'autolog? Je sais pas, mais je viens du coin donc. T'es arrivé mon gars. Non non. Quand je suis mort, j'ai été matérialisé par ici et il y avait un autolog juste à côté. Ouais, moi aussi. Donc voilà, je l'ai pas fumé mon autolog. C'est bon, je suis dans ma voiture moi. Ah, il est là-bas, Clem. Regardez votre map des fois. Hein. J'ai la flemme. Je suis pas là pour regarder la map, je suis là pour tuer les méchants. On va refaire le là-bas, de parce la que c'est pas très très précis là-bas. Regardez, il y a le caillou. Ah ouais, juste à côté en fait, il y a le caillou du roi lion. Et en fait, quand tu vas au bout, ça te fait faire un jump dans leur base. D'accord. Regardez, regardez-moi, regardez-moi. Oui, bah on te regarde. Ouais, on a vu, tu t'es boité. Non, pas du tout. T'as pas fait un super atterrissage. Si. Tu te tais le nabo. D'accord. T'as pété quoi? Je sais pas, il y avait une. Ah si, je sais. Il y a un truc qui m'attaque là. Oui, il y a des hyménoptères. Ouais. Presque tout. C'est pas le moment de flancher. Prends-en un avec un canon, si t'en prends. D'accord. Bah attends, j'en prends. C'est ça. C'est bon. Tu l'as matérialisé avec le canon? Ouais. Ah mais t'as pris celui du haut. Non, la couleur, elle est dégueulasse. YOLO. Allez. Non. On l'a défoncé. Ah si, ça va. Oh, j'ai cru que je crevais. Ah, tuez les hélicos s'il vous plaît. Ouais, bah on est un peu loin là. Non, jusque là. En fait non, fallait que je reste dans la base, je crois. Pourquoi je suis sorti? Et bah ça va nous donner l'occasion de faire un super saut de la mort. C'est vrai Steve? Allez vas-y. Moi aussi je veux le faire. Bah tu l'as déjà fait deux fois, ça va. Bobo. Et... C'est parti mon pote. YOLO. Putain, y'a des hélicoptères. Oh putain. Oh comment c'est sûr. Oh comment on a bugué. Vous avez dû tomber sur ma voiture. Non, on est tombé dans un bâtiment. Cheminée. Comment c'est fait niquer notre véhicule? On s'en fout, y'a celui de Mika juste là. Et comment je suis bloqué? De toute façon, on serait obligé de le quitter non, parce qu'il n'y a pas de sortie véhicule, en véhicule. Quand tu sors du véhicule, ça te met en phase ou je sais pas quelle connerie et ça te permet de sortir. Ah ouais, en effet. Allez. Et le véhicule de Mika il a disparu parce que ce connard il a fait repop. Il y a un hélico là-bas par contre. Tu crois pas que j'allais vous regarder faire? Je crois qu'il faut pas leur tirer dans la tête en fait. Ouais. Bon c'est pas grave, on l'a eu hein. En tout cas j'adore ce sniper. Ah, j'ai pas maté ce que c'était ce bouclier. Non, c'est de la merde. L'hélico! Ah, j'ai trouvé du pognon. Du pognon violet. Du pognon violet. Oh putain, mais c'est qu'il y a des ennemis là. Si tu pouvais défoncer les hélicos. J'arrive. Putain, merde, c'est dégâts. Pas ça que je voulais faire. Putain, y'a un mec derrière.
je vais clamser. Je vais clamser. Bon. Laisse-le-moi, laisse-le-moi. Pour ce qui est de viser, on reviendra. Attends. Je suis là. Je te tiens. Je t'en dois une. Ouais, elle est pas mal la technique bourrin. Je commence à prendre feu. T'as tiré sur les hélicos ou même pas? Un peu. Le problème c'est que mon véhicule il va cramer. Tire pas sur mon véhicule, connard. Putain, vous avez pas un lance-roquette ou quelque chose? Si, moi j'en ai un. Si, lui il en a des tonnes. Numéro 5 en vie. Mais faut que je sélectionne. Alors. Tac, 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 tac. Hop là. Hop là. 3. Ah mais faut que j'attende qu'il se stabilise, sinon je vais tirer mes roquettes dans le vide. Là on peut juste anticiper. Et là quand il a cette distance là t'as pas... Bien joué. Tu vois, t'as pas besoin d'anticiper. Y'en avait qu'un? Tu tires. Oui, on a buté l'autre. Okay. Pendant que tu attendais pour celui-ci. Oh. Hein? Quoi? C'est pas ma faute si t'es mauvais. Bon, ah putain, alors... y'a du monde! Ouh, comment je vais te défoncer? Mais toi, tu dégages! Clairement, regarde ce que je vais faire! Tu vas foncer en bagnole? Putain, y'a un Goliath! Je suis poissé! Ça me saoule! Oh putain, y'a un truc qui m'a explosé à la gueule. Où c'est que t'as vu ton Goliath, toi? Je suis en train de lui tirer dessus. Ouais, y'a encore un hélico. Pas la tête, pas la tête, pas la tête. Ah, mais ça va pas vite quand on vise pas la tête, hein. Ouais, ah, y'a encore un hélico, par contre. Bah si, justement, ah, c'est tu toi vises la tête, ça les one-shot. Non, ça les transforme. Bah oui, mais t'attends qu'ils se transforment et tu retires dans la tête et ils sont remorts. Laissez-moi le Goliath. Yeah, motherfucker. Deal with it. Tiens, T-Bag. Eh les mecs. Eh les mecs. Putain, mais c'est que des grenades de merde. Hein. C'est Marvin Gaye. Supériorité aérienne. Putain, j'ai encore de l'argent violet. C'est bon ça. Putain. Oh mais non. C'est moulin. Putain mais y'a un hélico de merde là aussi. Ça fait taille de mal ça. Attends Mika. Je suis juste à côté. J'ai réussi à descendre. Alléluia. Ah t'es sérieux toi aussi t'es mort. Bah oui. Attends il faut que je change mes armes. J'ai sauté du balcon moi pour survivre. Bazooka. Sniper. Voilà 3. Laissez-le moi! Ah ouais. J'ai juste amoché. T'as pas une arme qui a un peu plus de 2 balles dans le chargeur? Oh, Georges, tire à côté! Si, mais c'est de la merde. Vous allez être déçus, les mecs. T'as plus de roquettes. Bon, on va devoir faire ça à l'ancienne. Attends, mais il y a des munitions, il faut se servir. Mais c'est qui nous met ta tonne? Sérieux? Ça t'apprendra à vouloir te servir comme un chien alors qu'on est en train de se battre. J'ai juste pris des munitions, connard. Tiens, j'suis ça t'apprendra. Je peux rien prendre. Et après, c'est moi que tu traites de chien. Putain. Parce qu'ils trouvaient que j'étais trop débile. Mais tu vas leur montrer, hein. Tu vas leur montrer que je suis un gars dangereux, moi. Ouais, en cramant un filet de volleyball. C'est intelligent, ça. Bah oh, j'envoie mon robot, il va aller défoncer les hélicos.
Il a l'air d'avoir autre chose à foutre. Il attaque le filet de volley-ball. Putain, je vais essayer de l'avoir au fusil à pompe. Je vais prendre de la hauteur. Au fusil à pompe. Ouais. C'est useless. Oh, ah ouais. Je l'ai one shot. Non, il est pas mort. Ok, le deuxième, je l'ai touché une fois, il a pris la... Mais d'où ? Putain, j'ai l'hélico qui m'est tombé sur la gueule. Merde. Ton robot, en plus, il lui fait rien au filet de volée. Hein. Sauvez-moi ! Mika ! Steven ! Bah, moi, je suis mort. Non, t'es pas mort. Bah, là, je viens de revivre. Mika, putain ! Quel enfoiré ! Je vois pas la tête de mort, moi. Ah, oui, mais je te l'ai dit 4 fois que j'étais mort. Je pensais qu'il y avait Steven avant qu'il dise qu'il était mort. La mort vient du ciel, ça me rappelle un truc, ça. Il est où l'hélico ? Death from above, c'est ah, dans Angry Birds, ça. Viens là, c'était pas une fiotte. Putain, j'ai encore perdu 400 boules, sérieux. La même. Pouh ! Spear. Bien joué ! Ah putain, notre voiture, elle est toujours garée dans le réacteur. Ah là, c'était pas une fiotte. Voilà. Eh, c'est trop puissant. Moi, j'ai un fusil à pompe, il est trop puissant. C'est pas ton fusil à pompe, hein. C'est moi qui lui tirais dessus. Bah, tu verras dans la vidéo. Bon, c'est pas tout, mais il faudrait peut-être foutre. Ah, une arme incendiaire. Pourquoi c'est toujours moi qui dois m'en charger ? Plus de volley-ball brûlant au ralenti pour vous ! Bande de grands camps ! Je vais jouer ! Merde ! Homme torse nu, il s'appelle le type. Ouais, j'ai vu. Explosez ! Attendez, laissez-le moi. Non. Neither. Bande de baltringue. Bah, venez me sauver. Oh putain ! Que la fête commence, piège mort ! C'est bon, tu le soignes ? Évidemment ! Putain ! Ça, c'est de la vie, ces hommes torse nus. Bah ouais. Sauf quand tu tires dans la tête. Quoi ? Je suis mort ? Mais ouais, d'où ? Putain, mais moi aussi, alors, d'où ? J'allais lui latter les couilles, tu vois. Touche pas à l'homme torse nu. Merci. Tu leur as mis la fessée. Ouais. Il y a un pompe là, assez intéressant. Tu t'as mieux ou pas? Bah vas-y, je le prends. Vas-y, prends-le. Je te largue une arme en même temps, vu que j'en ai trop sur moi. Ça marche. Fais péter. Pourquoi ils me disent qu'il y a un véhicule où je suis alors qu'il n'y en a pas du tout? Si, dans la cheminée juste à côté de toi. Non, c'est là où on est tombé en fait. D'accord. Quand je te disais qu'on était des bons, c'est qu'on est vraiment des bons, c'est tout. Si tu peux pas nous tester. Il reste deux ennemis. Au rapport. Capitaine Timo ? Au rapport ! Allez, on rentre à la maison. Enfin... D'ailleurs, ça sera la fin de la mission. Dans l'épisode. Dans l'épisode, oui, plutôt. Parce qu'on a fait un peu du zèle aujourd'hui. Un petit peu. Tout petit peu. Franchement. Ah, j'aime bon, bien bah, go maison. Courir. Attention, la mort vient d'en haut. Je vois pas pourquoi vous allez vous faire chier à aller aussi loin, Steve, il y a un autologue juste là. Ah ouais, j'avoue. Bah, tu me prends au passage. À force de bouffer ouais. Du McDo, moi, il commençait à prendre un peu du poids et j'ai eu peur en voyant l'autre, alors je me dis on va la faire courir un peu.
Tiens, il y a des véhicules. Putain, qui c'est qui a touché à mon truc? Tiens, viens vite, je me fais ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus personne qui touche à ton truc. Quel connard. Je parlais de mon... de ma voiture. Il y a un connard qui a changé la couleur. Et je suis plus que ce connard, c'est Mika. Non, moi j'ai mis Onyx et c'est tout. Allez. Allez, je te roule sur la gueule, toi. Ah, c'est stylé. T'as juste ajouté des roues, en fait. T'as vu les bouchons de radiateur sur les bagnoles des Odunk? Crois qu'ils se foutent de ma gueule, mais leur design est canon. Tu pourrais pas leur demander la vitesse et me rapporter leurs bouchons. Oh. T'es déçu? Ah ouais, je suis déception, là. Chouette. Tu pourras te numéraliser une caisse de bandits dans n'importe quel autologue de mon frangin. Repasse me voir à l'occasion. Repasse me voir à l'occasion. Allez. Dis à Scooter de plus foutre le feu à mes clients. Je sais me défendre. Ok. Bon. Alors. Le petit mot de la fin pour Clément. Non, pour Steven en fait. Pourquoi? Où le nouveau véhicule? Pourquoi moi? Ah mais c'est de la merde ce flingue. C'est... Mais j'ai que des flingues de merde. Tu me rattraperas jamais, tu me rattraperas jamais. Bon, et ben, on espère que ce nouvel épisode vous a plu et que d'ici le prochain numéro, vous irez très très bien. Oh, prochain numéro. On commence à Donc voilà. On vous dit à très très bientôt pour la suite et d'ici là portez-vous très bien. Allez ciao. Allez ciao. Eh bien, c'était une affaire rendement.